La plupart des nations indiennes se rangent du côté français. Nous avions de très fortes affinités avec les Français, car ils n'avaient aucune visée sur nos terres. Ils ne venaient pas nous coloniser. S'ils voulaient vivre avec nous, ils épousaient des Indiennes et étaient les bienvenus. Par contre, les Anglais sont connus pour être des colonisateurs. Le soleil ne doit jamais se coucher sur l'Empire britannique. Et ils veulent des colonies partout. Pour eux, le Nouveau Monde ne faisait pas exception à la règle. Ils étaient venus pour ça. En 1760, après 6 ans de guerre, les Français choquent leurs alliés indiens de la vallée de l'Ohio et des Grands Lacs en quittant brusquement la région. Pendant qu'ils poursuivent le combat ailleurs, l'armée anglaise occupe leurs forts abandonnés. Vous, les Anglais, avez vaincu les Français. Mais vous ne nous avez pas encore vaincus. Nous ne sommes pas vos esclaves. Ces lacs, ces bois et ces montagnes nous ont été légués par nos ancêtres. C'est notre héritage. Et nous ne l'abandonnerons à personne. Un Ottawa, qui s'est battu avec les Français et a assisté à leur départ, refuse d'abandonner le combat. Il s'appelle Pontiac. La nuit où il est né, il neigeait, il pleuvait, il y avait du vent, des éclairs, le tonnerre et des étoiles filantes. Devant tous ces phénomènes, la même nuit, les anciens ont dit que quelqu'un d'important était né.